Bonjour à tous. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous propose une petite description de la méthode que j'ai utilisée pour faire cette petite licorne. Je me suis inspirée d'une petite licorne que j'ai trouvée sur Internet, que j'ai retournée, que j'ai imprimée. Le modèle était tout petit. Alors, je vais le reproduire avec un quadrillage. La méthode du quadrillage, c'est très très simple. Alors là, j'ai fait un quadrillage très serré, tous les centimètres sur le dessin que j'ai dupliqué, donc tous les 2 cm sur ma feuille, ce qui fait un agrandissement d'un rapport de 2. Donc le dessin sera 2 fois plus grand que celui que j'ai imprimé. On peut comme ça l'agrandir juste un petit peu, le reproduire exactement fidèlement, ou bien l'agrandir jusqu'à 10 fois, on peut faire des grands dessins comme ça très facilement. J'aurais pu le dessiner à la main, mais je voulais vous montrer la méthode du quadrillage qui est vraiment très facile, même assez agréable. Et on peut reproduire des dessins vraiment très complexes, même des visages. D'ailleurs, c'est très utile pour les visages, pour respecter les proportions si on veut qu'un visage soit ressemblant. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc j'ai reproduit fidèlement, relativement fidèlement, ma petite licorne. Une fois que le dessin ressemble en partie à l'original, j'ai refignolé un petit peu de manière plus esthétique ce qui me semblait plus sympa. Notamment voilà, au niveau de la queue à l'arrière, j'ai redessiné tout ça. Après, j'ai pris un petit marqueur ou un petit feutre le plus fin possible pour repasser sur le crayon, tout simplement, pour pouvoir ensuite supprimer tout ce qui est crayon avec une gomme. Donc je me retrouve avec un dessin très propre. J'ai pris une feuille déjà colorée, donc là ici du rose, je trouvais que c'était mignon pour aller avec une petite licorne. Rose et violet, ce sont des couleurs qui s'y prêtent bien. Je découpe. Alors encore une fois, si tu es un enfant, tu fais très attention, tu n'utilises pas de cutter tout seul. Hein. Tu demandes à ta maman, à ton papa ou à une personne qui va savoir le faire de t'aider. À moins que tu saches tout faire à la paire de ciseaux, ce qui est aussi faisable. Ensuite, du coup, vu que ma couleur de base est déjà posée, puisque le papier est coloré, je vais y placer tout ce qui est ombre et lumière, c'est ce qui va donner du volume à la licorne. On n'est pas obligé de faire cette étape-là. Si tu veux faire un dessin très très simple, tu n'as pas besoin de faire tout ce qui est ombre. Alors j'ai pris du violet parce que je trouvais que le violet allait bien avec le rose. Et puis j'ai mis du violet un petit peu partout pour donner un tout petit peu de volume à la crinière, à la queue, à tout ce qui était pseudo-chevelure de la licorne. J'ai pris du violet, ça aurait pu être du bleu, ça aurait pu être du magenta ou n'importe quelle couleur, même du vert, enfin peu importe, tout ce que. Peu importe. Alors j'ai pris l'aérographe, mais là avec des crayons de couleur, ça marche de la même manière. Des crayons de couleur, des feutres, peu importe, on peut mettre plein d'effets dans la crinière. Moi j'ai rajouté du blanc pour faire un petit peu de volume. Voilà, donc j'ai commencé par ça et j'ai fait un rappel de couleur au niveau des pattes, des petits sabots que j'ai rappelés de la même couleur que la crinière. Ensuite, je m'attaque au corps. Alors moi, j'ai pris l'aérographe pour mettre des pointes blanches un petit peu partout. Avec des pastels secs blancs, ça marche pareil. Ou du rose plus clair, ou bien la nuance plus claire que le papier choisi. C'est la même chose. Et après, je mets des ombres sur le corps. Bon, là, j'avais que du marron, j'aurais préféré un violet, mais j'avais pas de couleur idéale, donc voilà, j'ai pris du marron, mais c'est pour donner l'idée. Après, j'ai mis tout ce qui toutes les ombres portées. Alors à l'aérographe, c'est pas facile finalement, avec un crayon gris ou un crayon à papier gris ou un crayon de couleur noire, on arrive à faire pareil des ombres relativement logiques. Si cette étape vous la trouvez un petit peu trop difficile, vous n'êtes pas obligé de la faire, bien sûr. Après, j'ai posé l'ombre sur la feuille. Très important, l'ombre sur la feuille, des ombres portées. Voilà, que j'ai trouvé plus ou moins logique, faites comme vous voulez. Ensuite, j'ai coupé, j'ai découpé et j'ai collé. Voilà. Par la suite, il suffit de fignoler avec les détails. Alors moi, je prends des marqueurs Faber-Castell. Vous pouvez prendre n'importe quel marqueur ou des feutres. Voilà.
le reflet, j'ai pas encore mis le reflet dans l'œil, très important, le petit reflet dans l'œil qui va faire que c'est très, c'est lumineux, c'est réaliste. Petite licorne arc-en-ciel, donc la corne, je l'ai prise arc-en-ciel, vous auriez pu la faire de unie. Et puis je fignole, il n'y a pas vraiment de loi, quelle que soit la couleur, quel que soit, faut mettre plein de petits détails un petit peu partout. J'ai pris un crayon de couleur d'un ton légèrement supérieur à la couleur de la peau, enfin à la couleur de la licorne. Donc là, c'est une espèce de rose foncé. Et puis je l'estompe avec une estompe en papier. Après, je prends un crayon blanc. De la même manière, je viens poser des petites pointes de lumière un petit peu partout. Et avec un marqueur, je fais les contours. J'aurais pu ne pas les faire, mais enfin, ça fait plus dessin. Ça fait plus dessin animé avec des contours noirs. Donc, j'ai préféré mettre des petits contours noirs partout. Et puis redonner un petit peu de volume. Après, j'utilise un crayon, un feutre gris. Très pratique pour mettre des petites ombres portées très réalistes. C'est facile, toujours de la marque Faber-Castell, mais bon, il y a plein d'autres marques qui fonctionnent de la même manière. J'ai un petit stylo blanc très très pratique qui me permet de poser très facilement des petites touches de lumière minuscules, hein, ce que j'arriverai pas à faire au pinceau. Ensuite, j'ai estompé l'ombre en dessous. Et puis, c'est terminé. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. C'est un petit peu compliqué pour une licorne, mais vous pouvez vraiment simplifier, notamment au niveau du dessin et des ombres. Moi, je suis allée au bout de mon idée, mais voilà. Je vous souhaite une super journée ensoleillée et pleine de couleurs. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit commentaire.